A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ouah ! Bah, c'est pas si difficile de réciter l'alphabet à l'envers. Hola, c'est Ulysse. Ce challenge devrait être intéressant pour trois raisons. La première, c'est que je suis particulièrement malade et j'ai très mal à la tête. La seconde, c'est que je suis allé à Ibiza parce que c'est bien connu, c'est le meilleur endroit pour améliorer ses maux de tête. Et la troisième, c'est que j'ai du coup choisi un challenge qui fait particulièrement mal à la tête, à savoir de réciter l'alphabet à l'envers en moins de 3 secondes. Ouais, je suis un peu sado sur les bords. Ouais, toujours plus loin, mais c'est pas grave, ça entraîne mon mental. Bon, il y a une question latente, c'est qu'est-ce que je fous à Ibiza? Et la réponse, c'est que j'ai été invité par un pote, Lilian Alvarez, pour aller interviewer le fondateur de Chatroulette dans son podcast. Et il y a 3 ou 4 jours, ce mec m'a appelé et voilà à peu près ce qui s'est passé. Allô, Ulysse? Ouais, salut. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Bah écoute, normalement, je suis dans le sud-ouest de la France et je suis censé faire du surf. Ok, alors tu annules tout et tu viens avec moi à Ibiza. On va rencontrer le fondateur de Chatroulette. Genre, le mec qui est passé sur Combini et qui a l'air complètement fou? Exactement. Ok, vas-y, j'arrive. Tu vas pas dire que t'étais en pleine partie d'échecs et que tu m'as envoyé chier? Oh, mais je l'ai rappelé juste après et c'est à peu près ce qui s'est passé. Hein. Bon voilà, je commencerai demain, là j'ai pas le courage de commencer à prendre l'alphabet à l'envers. Mais déjà, je vais vous montrer les petits backstage du podcast de ce matin, c'était vraiment cool. Essaye de réciter l'alphabet à l'envers. Z-A. C'est compliqué ou pas? Franchement, c'est pas évident. Le challenge en 3 secondes, c'est validé ou pas? Je pense que t'as aucune chance de le gagner. C'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. Je viens de regarder une petite vidéo de Fabien Olicard où il apprend un autre youtubeur très rapidement à réciter l'alphabet à l'envers. Et concrètement, l'alphabet il est composé de 26 lettres et il est divisé en blocs de 4. Donc 6 blocs de 4 plus 2 lettres à la fin. Et cette manière de diviser par blocs, je l'avais déjà utilisé dans Pi quand j'avais appris les 1000 premières décimales. Sauf que là, au lieu d'utiliser la méthode PAO, et ben en fait on va simplement essayer de créer des associations sonores. Fabien Olicard, merci pour ta technique. Et le premier bloc, ça va donner ZYXW pour ZXW en fait. On prend juste à ZXW. Et en fait, on répète ZYXW. Allez, on va changer de spot pour le deuxième pack. Deuxième paquet de lettres, VUTS pour vue, tout simplement. Donc ZYXW, VUTS. D'ailleurs, je vous invite à le faire en même temps avec moi, là. Allez, on répète ZYXW, VUTS. ZXW, vue. ZYXW, VUTS. Allez, on switch. Ok, le prochain bloc, eh ben, on peut penser à quelqu'un, s'il a de l'air qui rentre dans le cul, ça fait un PO. Donc RQPO. Ok, donc on répète. ZYXW, VUTS, RQPO. On en était à RQPO et le prochain bloc, c'est NMLK. Donc Fabien Olicard, il propose de penser à des nems laqués. Ce sont des nems laqués NMLK. On répète depuis le début. ZXW, donc ZYXW. Vu, VUTS. De l'air qui rentre dans le cul, ça fait un PO, RQPO. Et des nems laqués NMLK. ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK. Je suis vraiment en train de les apprendre en même temps que vous là. J'ai regardé la vidéo il n'y a même pas 5 minutes. Pendant qu'il y en a qui apprennent l'alphabet à l'envers. Ça bouge pas, hein. Ça chill, hein. Ça lit un livre de stratégie selon monsieur. Tu vois ? The Art of Strategy. Allez, prochain bloc, Lilian. Est-ce que tu connais le dilemme de Warren Buffett? Non, c'est quoi? Je sais pas, je suis en train de... Bah merci. Prochain bloc, on pense à un gigot, donc G-I-H-G. Il faut bien penser que le H est avant le G. De toute façon, on répète l'alphabet à l'envers. Donc G-I-H-G, gigot. On reprend tout depuis le début. Z-Y-X-W, V-U-T-S, R-Q-P-O, N-M-L-K, G-I-H-G. J'ai des ondes bizarres sur la tête, là. G-I-H-G. Toujours avec des ondes bizarres, mais c'est pas grave. Et le dernier bloc, c'est que le tout va prendre feu et c'est le décès. Et donc on pense F-E-D-C. On répète tout, Z-Y-X-W, V-U-T-S, R-Q-P-O, N-M-L-K, G-I-H-G, F-E-D-C. Et à la fin, bah,
BA. Et voilà, on a déjà l'alphabet à l'envers. Allez, on va s'entraîner un petit peu maintenant. Donc on se le refait une fois en entier. Alors ZXW, ZYXW, VU, VUTS, R dans le cul, ça fait un PO, RQPO, DNEM laqué, NMLK, ces NEM laqués, on les fourre dans un gigot, donc GIHG, le gigot prend feu et c'est le DC, FEDC, BA. ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, GIHG, FEDC, BA. Pas mal, je pense que je suis déjà à moins de 10 secondes. Il n'y a plus qu'à répéter, répéter, répéter jusqu'à faire 3 secondes. Ok, on est au sommet d'Ibiza et tout à l'heure j'ai passé 10 minutes à apprendre l'alphabet à l'envers dans la piscine. On va voir si je m'en souviens. Ça commence par Z. Ça commence par Z, me dit Lilian. C'est ZYXW, ZYXW, VUTS, RQPO, le gigot là, NMLK. Ah oui, c'est ça, je recommence. C'est ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, NMLK, GIHG, FEDCBA. Bon, on l'a dans la tête, maintenant il va falloir s'entraîner pour aller beaucoup plus vite. Jour 2 à Ibiza et j'avais raison sur un point, c'est clairement pas le lieu pour soigner son mal de tête. Bon, par contre avec le coronavirus, tout ferme à 2h du matin et les grosses boîtes sont fermées, donc ça limite la casse. Dans mon processus d'apprentissage, pour l'instant j'ai mis 10 minutes à la piscine et on les a répétées une fois quand on était en haut d'Ibiza, là sur le château. Et là le lendemain matin, on va voir si je m'en souviens. Alors ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, GIHG, FEDCBA. On est pas mal. Maintenant il est temps de réfléchir à comment est-ce qu'on va accélérer tout ça. Je pense que je vais créer des packs plus gros. Par exemple, GIHG, FEDCBA, ça s'enchaîne bien. Et même NMLK, GIHG, FEDCBA, on a déjà un vrai pack là qui est pas mal. Et le premier pack, je pourrais faire ZYXW, RQPO, NMLK. Ok, donc ça s'enchaîne pas très bien. Je pense que je vais faire d'abord ZYXW, ensuite je vais enchaîner un deuxième pack qui sera VUTS, RQPO, et ensuite je finis d'un coup avec NMLK, GIHG, FEDCBA. Parce que ça s'enchaîne bien. Je sais pas pourquoi, mais c'est facile à dire. Allez, je vais mettre un chrono et on va voir avec cette méthode quel est mon temps de référence. ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, GIHG, FEDCBA. Wouah, je suis à 4 secondes. Ah ouais, mais c'est vachement plus simple que ce que je pensais en fait. Voilà. À chaque challenge, j'hallucine sur un truc, mais en fait... C'est ouf. Ok, record à battre, 3 secondes 90. Autant c'est comme au Rubik's Cube, les dernières secondes sont les plus galères à aller chercher là. Allez, on fait. ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, GIHG, FEDCBA. 3 secondes 40, 3 secondes 40, on progresse. Donc là, on voit rien avec le reflet, mais faites-moi confiance. Quatrième essai. ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, GIHG, FEDCBA. Oh mon dieu! J'ai défoncé ma caméra. My god. J'ai fait un geste un peu brut et ma caméra s'est éclatée par terre. Tout ça pour dire que j'étais à 3 secondes 01. Sérieux, sur mon chrono là. Autant si je mets le chrono avec le frame rate directement dans Premiere Pro, c'est moins de 3 secondes. Mais moi, je veux que ce soit moins de 3 secondes sur mon chrono ici déjà. Allez, on s'y remet. Et pas de geste brut si j'y arrive. Pour vous à la maison, ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, GIHG, FEDCBA. On s'y remet. Bon, et si jamais j'y arrive maintenant, vu que j'ai pas mis énormément d'efforts, je me lancerai un autre challenge qui est de réciter l'alphabet en moins de 3 secondes, mais en quinconce, là, comme on fait, c'est A, Z, B, Y, C, X, etc. C'est pas mal parce que ça m'a mis travailler un peu sa flexibilité dans la manière dont on réfléchit. Parfois, on me demande à quoi servent certains de mes challenges, et là, c'est vraiment cette idée de flexibilité, de pouvoir réfléchir à l'endroit, puis à l'envers, puis mélanger un peu tout ça, et de pouvoir retrouver son information. C'est ce que je trouvais intéressant dans ce challenge, et aussi ce petit moyen mnémotechnique de créer des paquets comme ça, et une sorte de moyen mnémotechnique sonore qui était intéressant. Donc il y a clairement ma voisine qui est en train de me prendre pour un fou, elle pense que je parle tout seul. Allez, on s'y remet. Là, je vais me faire une petite étape supplémentaire de visualisation. Je vais vraiment essayer de visualiser tout ce que je vais dire à l'avance. ZYXW, VUTS, RQPO, NMLK, GIHG, FEDCBA. Alors j'ai pas mon chrono pile poil, je l'avais pas lancé, mais à mon avis on l'a cette fois. Je fais 3 essais supplémentaires pour voir si je peux aller encore plus vite. Bon bah je pense que le défi est validé.
Évidemment, c'est toujours au montage une semaine après qu'on se rend compte qu'on a tout appris n'importe comment et qu'en fait on a dit G à chaque fois à la place de J. Et oui, parce qu'on a appris n'importe comment. Et là on met le doigt sur quelque chose d'important en fait. On prend une mauvaise habitude à un moment. Première fois que j'ai appris mon blog, je l'ai mal appris et à chaque fois j'ai fait l'erreur. Tout le temps. Et pour moi c'était ok. J'avais l'impression vraiment que c'était ça. Et je m'en rends compte une semaine après au montage de la vidéo. Et ben voilà. Mais c'est pas grave, aujourd'hui on est à Dubaï, une semaine après, et on va voir si je m'en souviens encore. Ce sera un bon petit test. Alors, bon déjà tranquille, ZYXW, VUTSRQPO, NMLK, J, IAG, FDCBA. ZYXW, VUTSRQPO, NMLK, J, IAG, FDCBA. C'est mal, allez on essaie de faire mieux, Je ferme les yeux comme ça vous pouvez pas m'accuser de tricher. ZYXW, VUTSRQPO, NMLK, J, IAG, FDCBA. On l'a ? On l'a pas ? Je sais pas. Deuxième prise, c'est ta deuxième prise, d'accord ? On est chaud, ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFDCBA. Ou bah en fait, ça va, ça passe, on est bon. Allez, on retourne à Ibiza. Concrètement, c'est vraiment un défi qui est facile et vous pouvez impressionner tout le monde à mon avis si vous savez dire l'alphabet en moins de 3 secondes à l'envers quoi. Alors que c'est vraiment tout simple, ça prend. C'est vraiment tout bête. Bon allez, maintenant je vais aller me reposer à la piscine. Et peut-être que tout à l'heure ou demain je ferai le truc comme ça là. En ping-pong. Allez, à tout à l'heure. C'est le dernier soir à Ibiza et j'ai complètement oublié de faire ce que je vous avais promis. À savoir d'apprendre aussi à réciter l'alphabet en quinconce, là, de prendre la première lettre puis la dernière et ainsi de suite. Du coup je vais devoir apprendre en même temps que vous. C'est parti. Donc une idée ça pourrait être, vu qu'on connaît l'alphabet à l'endroit et à l'envers, d'à chaque fois juste scinder comme ça, de réciter une lettre sur deux à chaque fois. On peut aussi se dire qu'on va juste réciter l'alphabet à l'endroit, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, et on s'arrête à M, et à chaque fois on va associer la lettre correspondance et on va apprendre les lettres par groupe de deux comme ça. Ça peut être un moyen rapide de l'apprendre. Ok, donc j'ai écrit sur mon téléphone toutes les associations de deux lettres, ce qui donne A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N. A, Z, B, Y, C, X, j'ai déjà en tête, je pense que j'ai pas besoin de moyen mnémotechnique. D, W, E, V, je sais pas pourquoi ça sonne bien, D, W, E, V. Je vais pas me mettre de moyen mnémotechnique non plus, je trouve que ça sonne juste bien, D, W, E, V. A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V. Ok. Après, c'est incroyable. F, U, G, T, H, S, I, R. C'est fou, c'est incroyable. F, U, G, T, H, S, I, R. F, U, G, T, H, S, I, R. Ensuite, J, Q, K, P, L, O, M, N. J, Q, je suis K, P, Allo, Hello, Capello, 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 MN, MN, LMN, JQ, KPLO, MN. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas spécialement besoin de moyens mnémotechniques, ça se suit vachement bien en fait. C'est peut-être parce que je connais l'alphabet à l'envers également. Allez, de mémoire, on va voir. A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, JQ, KPLO, MN. 2 minutes. Ça m'a pris 2 minutes. Alors on essaie d'aller plus vite. Quand on va aller vite, c'est comme dans le challenge sur le rap. On prend la respiration avant et par le ventre. A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N. On progresse là. Peut-être en dessous de 5 secondes. Comment on fait ? Ok, je vais faire plus que 3 blocs en fait, ce sera plus facile. A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N. A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, J. A, Z, B, Y, C, X, J. A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N. Ah mais c'est D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. C'est plus dur à dire à l'endroit qu'en quinconce quoi, ça va plus vite. Incroyable. A, Z, B, Y, C, X, D, W, E, V, F, U, G, T, H, S, I, R, J, Q, K, P, L, O, M, N. Yes. Allez, roule ma poule, on y va. Maintenant, direction Rome. Bien arrivé à Rome, j'espère que ce petit challenge vous aura plu, dites-moi en commentaire si vous y êtes arrivé ou pas. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour toujours plus de challenges et de voyages. Si vous êtes curieux et que vous voulez aller encore plus loin, je vous invite à aller dans la description, j'ai écrit une newsletter sur le sujet. Puis voilà, on se dit à très vite pour le prochain challenge.